La fille, elle venait comme ça, du fond là-bas. Elle entrait. Elle marchait lentement du fond de la scène vers le public. Et elle s'asseyait. Parfois, c'est arrivé plusieurs fois, parfois parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'entrer par le fond, ou parce que la scène n'était pas assez profonde, ou d'autres fois encore parce que la lumière avait dû être réglée autrement. La fille, alors, c'était une habitude qui avait été prise pour faire face à ce genre d'incident. La fille entrait sur le côté, dans le fond de la scène. Et alors, assez habilement, je dois dire, elle effectuait un léger demi-cercle et gagnait ainsi la ligne centrale pour avancer, comme si de rien n'était, vers le public et s'asseoir au même endroit, de la même manière, lente et désinvolte. Parfois encore, une ou deux fois, et pas plus tard qu'il y a un an, parfois encore, au fond de la scène, il n'y avait aucune porte. Et dans ces cas extrêmes, mais il était bon de les prévoir, au cas où, puisque pas plus tard que l'an dernier. Et d'autres fois encore, et dans des circonstances qui ne le laissaient pas prévoir, une telle situation pouvait se révéler possible. Il avait été prévu que la fille, mais ce devait être exceptionnel. La fille serait déjà là. Elle attendait au fond, et lorsque cela commençait, mais c'est elle qui toujours décida du début. Lorsque cela commençait, elle avançait en ligne droite vers le public, et elle s'asseyait de la toujours même manière, lente et désinvolte. Comme ça, l'air de rien. Parfois encore, une fois, deux, je ne sais plus, et il serait bon, franchement, c'est ce que je pense, parfois une ou deux fois, trois. Admettons quatre. Je compte, je réfléchis et je compte, mettons quatre fois. Parfois, non seulement il n'y eut pas de porte, où que ce soit, ni au fond, ni sur le côté. Et d'autre part, c'est là que je veux en venir, et il faut reconnaître que ce n'était pas rien. Quand j'ai vu ça, j'en aurais pleuré. Et bien que cette éventualité-là fût prévue, je n'aurais jamais imaginé devoir un jour m'en servir, y recourir. D'autre part, la scène était si petite, vraiment de là à là, pas plus, que rien ne permettait de marcher très lentement et d'une manière désinvolte. Franchement, il fallait l'admettre. J'en aurais pleuré, c'est vrai, on ne me croit pas, j'ai l'air comme ça, mais j'en aurais pleuré. Si petite, oui, qu'il fallut que la fille, c'était la solution, que la fille soit déjà là, assise, l'air de rien, déjà, oui, déjà. Toute coincée entre le fond et le public, si proches l'un de l'autre. Quand la fille partait en direction du public, elle est dans le noir. Et eux, les deux boys, sont derrière. Elle est dans le noir, dans l'obscurité, plus loin encore que le fond de la scène. Et le public ne peut pas la voir. Ils la suivent lentement, désinvolte. Lent et désinvolte. Le dernier conseil. Elle ne les regarde même pas. Elle est raide là devant eux.
Elle respire profondément, elle dit lent et désinvolte. Et elle part, elle entre, la porte du fond, et eux la suivent, l'air de rien, un de chaque côté, quatre pas de distance, lent et désinvolte, nonchalant. Dans les fameux cas extrêmes, lorsque la porte d'accès était sur le côté, au fond, il la suivait de la même manière, le même demi-cercle, face au public, souriant, revenu sur la même ligne, sans problème. Pareil qu'est, lorsqu'elle est bloquée au fond de la scène, lorsqu'il y avait une scène. Lorsqu'elle attend, au fond, pas de porte, elle ne peut pas s'en empêcher, elle chuchote à peine. Elle chuchote lent et désinvolte. Et elle part. Peut pas m'en empêcher. Restez assis, elle leur dit. Restez assis. La dernière fois, où est-ce que nous en étions restés? Je ne me souviens pas, je ne prends pas de notes, je crois me rappeler plus tard les années suivantes, un jour comme aujourd'hui, quand on se retrouve. On se retrouve toujours, c'est à craindre. Je suis perdu. Le début, la fille, moi, elle, là, le début. La fille est assise sur le tabouret et c'est elle qui parle la première. Je ne sais plus. Elle dit quelque chose, je ne me souviens pas. Et déjà bien du mal à me souvenir de moi-même. Et ensuite, à la suite de quoi, ce qu'elle dit, je parle et le reste me revient. Là, j'ai confiance en moi-même, cela ne s'oublie pas, c'est comme le vélo. Voilà le vélo, exactement le vélo, je ne me rappelais plus. La musique, ce qui est écrit, et ensuite on voit la fille, elle, là, moi. Elle est assise sur le tabouret, jambes croisées, j'y tiens absolument, jambes croisées. Et la musique, derrière moi, en fond sonore, on croit. C'est l'idée. On croit que c'est moi qui chante. Une idée comme ça. Ne me dis pas que tu m'adores. Regarde-moi de temps en temps. Un mot d'amour, c'est un trop d'horreur. Mais au baiser, c'est éloquent. Parfois, c'est arrivé une ou deux fois, c'est arrivé plus souvent, non, j'oublie, plus souvent, très souvent, maintenant la mémoire me revient, c'est arrivé la moitié du temps, cela arrive. Il n'y avait pas les moyens de la musique. Je veux dire, et c'est très souvent lié à l'absence de porte au fond, et à l'étroitesse encore de la scène, et l'espace entre le rideau et le public, qui peut le plus, peut le moins, je ne sais pas, une expression comme ça, qui dit que ça allait de mal en pire, et vice-versa. Parfois, il n'y avait pas de magnétophone à bande magnétique, et électrique, naturellement. Très souvent. Et la bande sonore, la petite musique, et il faut savoir qu'au départ, et c'est ainsi que je l'ai toujours vu, c'était plutôt une pièce, une sorte de pièce, bon, une sorte de pièce, oh là là, au point où nous en sommes. Il faut savoir qu'au départ, c'est ça que je raconte, c'était plutôt une pièce musicale. Et fatalement, fatalement, sans musique, comment dire? Ce n'était plus ça. Non, plus ça.
Parfois encore, dans les cas extrêmes, nous avions prévu ça aussi, on pouvait espérer le magnétophone à cassette magnétophonique et sans secteur, sur pile et indépendant et tout et tout. Et qui peut le plus? Bon, toujours la même histoire. À t'en faire de posséder un magnétophone, autant l'avoir à bande. Hein? Et sans bande. Pas moyen d'espérer un autre moyen de retransmission. Parfois encore, mais les cas extraits. Lui, le deuxième boy, il ne me dit pas que tu m'adores. Embrasse-moi de temps en temps. Un mot d'amour, c'est incoloré, mais un baiser, c'est éloquent. Restez assis. Et les lumières, brutalement, au son de ma voix, comme au son de ma voix, et les lumières s'éteignaient. Je veux dire les lumières au-dessus du public. Et j'étais là, dans le halo des... dans le halo du projecteur. Et cela commençait. Et moi, la fille, j'oubliais tout. Qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que cela pouvait bien me faire? J'oubliais tout et c'était parti. Je leur parlais et le reste, le magnétophone, l'absence de magnétophone, le sursecteur, le appeal, tout ça au fond de mon âme. Bon, pas mon âme, au fond de moi-même, en mon fort intérieur, comme cela qu'on dit. En ma citadelle intérieure, je n'y songe plus. Je souriais. Une chose comme ça que j'avais beaucoup expérimentée et dont je ne suis pas mécontent. Le tabouret, ce tabouret là, il est à nous. Mais Boy et moi, nous l'avons acheté. Il est d'une certaine manière notre propriété. Ma propriété, mais j'ai mis plus de mon argent car je l'utilise plus que les deux autres et aussi c'est ce qui est convenu lorsque nous nous quitterons, mais définitivement, pour toujours. Lorsque nous nous quitterons définitivement, je l'emporterai avec moi. Au début, il y a longtemps, lorsque nous avons commencé, de la même manière que nous réclamions la porte au fond et le magnétophone à bande magnétique, mais la porte au fond, logique, nous n'allons pas l'emporter avec nous, logique. Et le magnétophone, la bande, ce n'était pas possible. Plus tard, je ne dis pas, je rêve, mais je ne dis pas, le magnétophone à bande, ce n'était pas possible, pas assez d'argent. Et celui-là, l'autre là, celui-là faisait bien l'affaire, l'un dans l'autre. Il chantait, et on n'y voyait que du feu, presque que du feu. Oh là là, au point où nous en sommes. Au début, nous demandions le tabouret. C'était prévu. Et il devait être là lorsque nous arriverions, et en bonne place, et tellement nécessaire que nous aurions pu nous en passer, ce que nous disions toujours pour leur faire peur, et qu'ils le cherchent, et qu'ils le trouvent, et qu'ils ne manquent pas. Nous le demandions. J'en ai vu des tabourets. Des grands, des petits, des à trois pieds. À quatre pieds, mais pas dans la même hauteur. Et des tabourets avec dossier. Et ce n'est plus un tabouret, moi, je leur disais. Et ce n'est plus un tabouret. Et ils rigolaient, ils disaient, qu'est-ce que ça fait? Qui peut le plus, peut le moins? Et une chaise. Parce que franchement, appelons les choses, ces satanées choses par leur nom. Leur satané nom. Une chaise, ils me disaient. Une chaise, c'est mieux qu'un tabouret.
Allez leur faire comprendre. Comment faire un tour complet sur une chaise, je leur demandais. Comment faire un tour complet, comme ça. Bon, j'y arrivais. Et je tournais, je faisais un tour complet. Bon. J'en ai vu des tabourets. En même temps, avec le recul, aujourd'hui, lorsque j'y songe, ce n'était pas les pires, ceux-là, non, plutôt serviables et croyant bien faire, rendre service. N'ont jamais rien compris, mais n'ont pas mauvais fond sur la part d'un bon sentiment. Confondre le confort avec l'art. Bon, appelons ça comme on veut, l'art. Et confondre une chaise avec un tabouret. Non, les pires, les plus terribles, c'était, et cela arrivait souvent, très souvent, et tellement de plus en plus, à la fin, avant qu'on ne se décide, à la fin, il n'y avait plus que ça. Les pires, c'était ceux qui mettaient en guise et place et lieu encore de tabouret sur pied élevé, une petite chose, courte et trapue et ridicule, haute, comme ça, petite, comme ça, pas plus haute, moins encore. Bon, je me penche pour montrer plus précisément, je tombe. Tabouret à travers les bestiaux bovins. Trois pieds et une planche de bois, j'en ai vu. J'en pleurais parfois, il n'y a pas d'autre mot, j'en pleurais. J'étais là, les jambes croisées, hautes, très hautes, les genoux au niveau du front, une vache sur un tabouret à vache, lente et désinvolte. Parfois encore, toujours la même histoire, je n'ai jamais rien connu d'autre, cet enchaînement imbécile des inconvénients les uns aux autres, mais parfois encore, et de plus en plus souvent, pas plus tard qu'aujourd'hui, cet après-midi, et souvent encore, à peine descendu du bateau, de l'avion, à peine la voiture garée sur l'emplacement réservé à cet effet, à peine entré dans la ville, les pieds en sang, épuisés par une trop longue marche, parce que tout de même, le plus souvent, et parfois encore, ne veulent pas de ce tabouret, de ma propriété de tabouret, n'en veulent pas et le refusent et s'en gaussent, et dans le pire des cas, et le plus souvent, le pire des cas fréquents, il faut l'admettre, ce n'est pas agréable, mais il faut l'admettre, et dans le pire des cas, j'entends par là les lieux et les fois où pourraient devenir violents et brutaux et propres à quelque cruauté physique, ceux-là qui doivent, manière de parler, nous accueillir, parfois, et cet après-midi encore, pas plus tard que cet après-midi, et hier encore, et l'année dernière, à même époque, doit être la saison, méchante influence, veulent m'interdire l'usage du dit tabouret, ma propriété la plus stricte, et m'en empêcher le profit, me le faire laisser à l'entrée, porte extérieure, au risque probable qu'on me le vole, veulent m'en interdire au prétexte fallacieux, un mot que j'aime tout précisément, au prétexte fallacieux qu'il ne saurait être conforme aux normes en vigueur dans ce théâtre-là, cette scène-ci, qu'il ne saurait trouver sa place dans cet endroit, pourrait prendre le feu. Le feu, c'est leur préoccupation favorite. Ils sont pompiers et ont peur du feu. Ils pourraient s'enflammer. N'est-il pas inflammable ou enflammable? Je ne me souviens jamais. Ils pourraient prendre feu et brutalement et propager le feu. Ce qu'ils disent, goguenard. Toujours goguenard. Moi, je descends du bateau, épuisé par la traversée. Je descends de l'avion malade des ballottements atmosphériques. Et la voiture, les virages, et oh, oh là là, au point où nous en sommes. Épuisé par une longue marche. Et eux sont goguenards. Me regardent et regardent mon tabouret et sont goguenards. Encore une expression qui dit bien ce qu'elle veut dire.
pourrait prendre feu et propager les flammes et dévorer l'ensemble. Et là-dessus, pas question de plaisanter, leur outil de travail. Ils tiennent à leur salle des fêtes de la banlieue grise et ne veulent pas la voir engloutie dans le brasier soudain d'un tabouret ardent. Dans la cave aux écuries, le feu se propageait. Marquise, Marquise. Et moi? Et cela ne sert à rien, il ne me croit pas. Moi, je plaisante. J'en pleurerai. On ne croirait pas me voir pâlir, mais j'en pleurerai. Et je plaisante. Un tabouret, je leur disais cela, est d'humeur badine. Un tabouret, simple, à quatre pieds, stable, plus vraiment un tabouret, un support tout au plus. Le voir prendre feu et comme ça, ne rêve-t-il pas un peu? Joli rêve, je ne dis pas, et digne de poète, et rassurant quant à la qualité de l'écoute lorsque le spectacle sera commencé, s'il commence. Mais ne s'égare-t-il pas quelque peu? Un tabouret, ce n'est pas une botte de paille. Et papier prouvant sa volonté de ne pas s'enflammer, document à l'appui, non, je ne l'ai pas jamais eu, pas souvenance. Franchement, et pris comme mon excuse. Mais pas le souvenir qu'on puisse dire souvenance. Papier, preuve de la résistance au feu, non, je l'ai déjà dit, non, je suis désolé, l'aurait le montrerait, logique, pas idiote. Pénible, mais l'on montrerait, oh là là, au point où nous en sommes. Mais lorsque je l'ai acheté, on ne m'a pas parlé de cela. Regardez-le. À le voir, ce n'est pas la première idée qui vient en tête. Et un tabouret, ce n'est pas un chien avec pédigré. Ce n'est rien. Il m'est nécessaire. Sans lui, il ne faut pas compter sur moi. Mais ce n'est rien de plus. Et qui peut le plus, peut le moins, ce que je dis toujours, rien de plus qu'un objet de consommation courante. Eux, goguenard, rien d'autre à faire, à attendre que je cède. Et céder, ce n'est pas compliqué. Un billet à chacun, dans le meilleur des cas, et pas plus tard que cet après-midi encore. Un billet à chacun. Qu'est-ce que cela fait? Tout pourrait prendre feu, sont doublement payés désormais pour l'éteindre, et voir ainsi disparaître, au mieux, l'essentiel de la recette dans leurs braves pattes. Mais si j'y tiens à ce tabouret, on ne saurait me l'interdire. Le premier boy, le danseur, est du côté droit de la fille, à gauche pour le public, ceux d'en face. Et plus proche de fait de ce qu'il est considéré de nommer la coulisse jardin. Comment est-ce que cela s'est fait? Je ne sais plus, par hasard, c'est possible. Lorsqu'il est arrivé, il remplaçait un type qui tenait ce rôle-là, manière de dire, et qui nous avait abandonné, lui et moi, la fille. Et l'autre là, le chanteur. Lorsqu'il est arrivé, il remplaçait ce type et ce type occupait cette place-là. Et c'est ainsi que cela s'est fait, très naturellement, le plus simplement du monde. Nous n'avions pas beaucoup de temps, c'était le soir même et nous étions déjà l'après-midi. Et lui, sincèrement, et je ne veux pas dire qu'il s'en fichait, mais là ou de l'autre côté de la fille, ce n'était pas essentiel. Il a pris la place qui restait. Et il s'y est installé. Après, nous n'en avons plus jamais reparlé entre nous, pas le genre. Nous n'allions tout de même pas tout détruire de cette harmonieuse disposition. Oh non, non. Thank you.
propre, la robe. Heureusement, n'ont jamais demandé. Est-ce que pour la robe aussi, vous avez un papier prouvant sa bonne résistance aux diverses flammes dévastatrices? Document prouvant sa bonne foi? Jamais demandé. Et moi, me gardant bien d'en parler, évidemment, laissant l'ombre du doute planer sur ce point, et ne disant rien, silencieuse, la carpe qui vient de naître, priant le ciel, manière de dire. Le ciel, donc, rien d'autre, de me laisser en paix. Et papier, document et preuve manuscrite encore, que sais-je, noir et blanc et paraffé sous la mention lue et approuvée. Papier, document et preuve, pourquoi non? Oh là là, au point où nous en sommes, me concernant, et relatif à ma propre résistance au feu, faisant la preuve s'il est nécessaire, et j'attends. Plus rien ne me surprendrait. Et pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux, et l'an dernier encore, je m'en rappelle. J'ai cru que l'heure de cette ultime plaisanterie venait de me résonner aux oreilles, faisant la preuve que je ne saurais, pour une raison quelconque, prendre feu et détruire la torse vivante, toute leur misérable entreprise. Goguenard devrait me le demander, n'en serait pas surprise pour elle. Et c'est en ramassant la pelle qu'il fit tomber toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château, qui se consuma de bas en haut, le vent soufflant sur l'incendie, le propagea sur les curés. Et c'est ainsi qu'en un moment, on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Le deuxième boy, le chanteur, est de l'autre côté. La fille est au centre. Moi. Oui, sûr, qui d'autre? Moi, franchement, qui d'autre? Je tenais à préciser, je suis toujours un peu méticuleuse, mais je ne songe pas à mal. Machinal. Le deuxième boy, donc, est de l'autre côté. La fille est au centre, et lui, lorsqu'elle entre la porte du fond, ou lorsque dans les pires des cas, mais les plus fréquents, lorsqu'elle est assise sur son tabouret incendiaire. Oh, pardon. Lui, il prend la place qui reste. L'autre là, de l'autre côté. Qu'est-ce que cela fait? A toujours été là, et ce n'est pas essentiel. Cela m'est bien égal, non pas que je m'en fiche, et royalement, mais ce n'est pas essentiel. À ma droite ou à ma gauche, on leur dit où ils se mettent, et ils s'y mettent, et n'en bougent plus. Manière de dire. Ne sont pas garçons propres à problèmes et autres balivernes et difficultés anecdotiques. Non. Lorsqu'il est arrivé, j'étais avec un autre type, parti depuis ma quitte. Ou mort et de belles morts et d'épuisement logique, ou séduit par quelque autre métier plus lucratif ou moins désespérant. Assez de la marche à pied. Parce que tout de même, dire la vérité de temps à autre, plus souvent à pied que dans les bateaux transatlantiques et somptueux, et plus souvent sur les routes vicinales et chemins de terre pour gagner des endroits comme celui-ci que avions de luxe et aéroports internationaux. Enfuit donc l'autre là, mais régnait alors à la droite de la fille et laissa la place qui est la sienne désormais. Et lui, cela lui était égal, remplaçait un autre fugitif, et nous étions déjà à la fin de l'après-midi, et le soir venait, et il n'allait pas faire d'histoire. A pris ce qui restait, s'y est habitué. 14e côté gauche, et 15e logique, cela est symétrique. 15e côté droit. On ne saurait les garder et se les attacher. Assez de la marche à pied des endroits comme celui-ci, trop triste et sans avenir. Nous voulons vous quitter, madame, me disent toujours un jour ou l'autre, et partent. Et c'est la fin de l'après-midi. On prend le premier venu.
Toujours un type là, la bouche ouverte, qui croit que, à me regarder comme un rêve, et croit à nos histoires, et se laisse aller à nous suivre, et nous suit, et enfile le costume de l'autre, trois retouches sur le côté et dans le dos, on ne voit jamais leur dos. Et le costume leur ira aussi bien qu'au précédent. Oh là là, au point où nous en sommes. Toujours ce que je dis, et accepte de comprendre. Et prends la place du manquant, le fugitif, traître et voyou qui nous abandonna là. Fais comme l'autre, celui qui reste, et croit son jour de gloire arriver, sourire imbécile, et se dit danseur, et me suit à 5 pas. Fais ce qu'on lui dit, lent et désinvolte, jusqu'au jour où voudra partir à son tour. Où partira sans crier gare, sans mot de rien, sans laisser d'adieu. Toujours une fin d'après-midi, découragé à l'idée, une fois encore, nous quittant comme on nous fuit, partant à l'aventure, manière de dire, emportant son savoir. Emportant son savoir et se livrant à quelques numéros solo minables et sans rythme, mais plus lucratif. Sans partage par tiers de la recette. Moi, toujours été là, toujours été là, à l'origine, construit autour, jamais un remplacement, une succession, jamais. Créatrice du rôle. Dans le halo du projecteur, lorsque cela commençait, toujours été ainsi. Et j'aimerais sincèrement que cela se perpétue, sincèrement. Ils étaient dans le noir, les autres là. Et en ce temps, étaient fort nombreux et attentifs, ce qui n'est pas rien. Et qui peut le plus? Après avoir souri longuement, lentement, comme j'ai pu le montrer plus haut. Toujours ainsi que j'exerçais ma force et mon pouvoir sur eux et les encourageais à se taire, leur en intimer l'ordre et renoncer à boire leur bière et finir leur repas avec force déglutition sonore, le silence enfin venu, je commençais vraiment. Et tout le reste, tout ça, manière de dire, je l'oubliais et je commençais. Commençais vraiment. Le premier, côté droit, c'est ce qui se disait et se racontait encore dans les endroits les plus reculés, où nous passions à nouveau et où on pouvait se souvenir de moi et de mes accompagnateurs. Et endroits encore où n'avaient pas fermé leurs portes et fait faillite, où sombrer le plus souvent dans le marasme le moins propre à ce divertissement, et endroits où voulaient bien encore nous accepter parce que ne faudrait pas oublier les choses telles qu'elles sont et ont toujours été. Le premier, côté droit, fondateur de cette part-là, à l'origine, fut mon mari. Et l'autre là, de ce côté, mon amant le plus proche. Jolie histoire, mais trop jolie pour être exacte, et si exacte fût, ne saurait se maintenir dans la tradition. Oui, quelque chose comme ça. Mais l'amant, côté gauche, tua le mari. La fille et lui prirent pour le remplacer le premier venu. Toujours un type, là, la bouche ouverte, prêt à croire que, trop content l'imbécile d'enfiler le costume, et une fin d'après-midi, le temps venait à manquer, lui apprirent la danse et le chant,
mais était moins talentueux, et lui consacrèrent peu de temps, moins talentueux que le mari assassiné. Devint amant à son tour, comprenne vite, logique cela. Tua, s'y voyez déjà, tua, ou fit s'enfuir le premier amant, celui-là, originel, au détour, je ne me souviens plus, d'une ville de Tournée, Montargis-Boiré, oui, si on... Bon, continuer ainsi de suite, prier pour le remplacer le premier venu, toujours un type, là, la bouche ouverte, prêt à croire que, trop content l'imbécile d'enfiler le costume, une fin d'après-midi et le temps venait à manquer, lui apprirent le chant et la danse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais... Et l'histoire. Moi, je les regardais. J'ai mon sourire expérimenté et je n'hésite jamais à m'en servir en toutes circonstances utiles. Moi, je les regarde, je fais mine, une chose que je sais depuis toujours particulièrement bien faire. Nous pourrions dire que, en la matière, faire mine de, je suis même devenu une sorte de reine. Moi, je fais mine de ne pas saisir la question. De quoi se mêlent crapules autochtones ? De ne pas même l'avoir entendu. Je suis comme ça lorsque je suis en difficulté totale. Oui, je vous demande pardon, madame. Ma belle madame. M'ont toujours appelé comme ainsi. Je ne garde pas le souvenir qu'on m'ait appelé autrement en face depuis bien longtemps. Sont toujours, si l'on veut bien, et on veut bien, sont toujours déférents et courtois et m'appellent madame. Parfois, mame, mais l'IDI est, on ne peut le nier, l'IDI est. Et la courtoisie est déférence également. Mais madame, répète-t-il, sont courtois mais obstinés et n'entendent pas ne rien entendre. Oui, madame, l'histoire, quelle est-elle? Parce que tout de même, on ne saurait se nourrir ainsi tout le temps d'expédients divers. Le tabouret, l'histoire du tabouret, ses multiples aventures, et la robe, et la porte au fond, et celle plus fréquente encore, latérale, dans les cas difficiles. Tout cela, nous l'avons compris, mais... L'histoire... On ne saurait faire semblant. Il y en a bien une. Et quelle est-elle? Nous serions heureux de la connaître. Coquenard. Ils attendent maintenant dans le silence et ce trou obscur, là, devant moi. Avant, il y a longtemps, 2 ou 3 années, et pas plus tard encore, je ne sais pas. Pas plus tard encore que l'année dernière. Avant, les deux garçons, ceux qui les précédèrent, les deux garçons dansaient et chantaient de concert. De concert, bon, encore une de ces expressions malheureuses, ensemble. Ils reprenaient les chœurs et faisaient ensemble une bien jolie chorégraphie. Mais peu à peu, les deux garçons, mais peu à peu changeaient trop souvent de partenaire, n'arrivaient plus à s'habituer l'un à l'autre et réciprocité, perdaient le goût encore du travail bien fait, des banlieues grises et des villages hostiles. On ne les voulait plus nulle part. Montargis-Loiret, franchement, avait, face à eux, côté public, de moins en moins de gens passionnés. Peu à peu, et c'est mieux ainsi, qu'est-ce que cela fait? Peu à peu, et c'est là que nous en sommes aujourd'hui, pas plus tard que ce soir et dorénavant, peu à peu se répartir la tâche. Appelons les choses par leur nom. L'un danse et l'autre l'imite. Le second chantonne et le premier prend le refrain. Pourquoi changer ?
détruire cette harmonieuse disposition. Il n'y voit que du feu. S'en moque. Regarde ailleurs. Ne regarde pas. Ils ne sont pas là. Au début, auprès de 10 ou 15 années, et 15 années le mois prochain, non, le mois dernier, 15 années, au début, mes débuts, l'expression qu'on emploie, lui et moi, mon mari, comme cela qu'on dit, mon mari et moi, nous allions ainsi, je crois me souvenir, un seul danseur et chanteur, et s'occupait de tout, et discutait la recette, et leur faisait des scènes si les choses n'étaient pas comme elles avaient été prévues. La porte du fond, toujours là, jamais il n'aurait permis qu'elle n'y fût pas. Et l'argent, oh l'argent, parce que tout de même, tout ça, l'argent, ou l'absence d'argent, c'est plus sûr. L'argent n'y est pas pour rien. Et l'argent, avec lui, le mari, pas même marié, mais bon, admettons, l'argent payé aussitôt, à peine débarqué et rubis sur l'ongle, sans ambiguïté financière. Débarqué, oui, les bateaux, c'est vrai, en ce temps-là. Et bon bateau, première classe, blanche et bleue. Et du rideau du fond, les exigences de mon mari. Et du rideau de fond au public, et public il y avait, et sans bière et sans nourriture autorisée dans l'enceinte. Et du rideau de fond au public, distance respectable et nécessaire et facile à pratiquer, légère pente et bonne visibilité. Dansait et chantait, que j'en finisse, et assurait les enchaînements. Et en ce temps-là, ce n'est pas ce qui manquait, les enchaînements, et souriait avec grâce. Ce que les autres là, ce n'est pas méchanceté, mais il faut le reconnaître. Ce que les autres font et feront toujours avec application et bonne volonté. Ne me dis pas que tu m'adores, en face à moi de temps en temps. Un mot d'amour, c'est un dolore, mais un baiser, c'est éloquent. Au début, pas plus qu'aujourd'hui, et pas moins que, et qui peut le plus, etc. Au début, pas plus d'histoire. Lui et moi, nous chantions, quelques pas esquissés, et dansions, et tours de magie, divination, devination diverse. Oui, je me concentre. Cette dame est née sous le signe du scorpion. Des choses comme ça que nous avions apprises et que nous recommencions sans cesse. Pas d'histoire, non. Quelle histoire ? Un numéro, ainsi que nous appelons ça. Et il faudra s'en contenter. Ne me fais pas de longs poèmes, ne parle pas de tes émois, pour me prouver combien tu m'aimes. De temps en temps, embrasse-moi. Un jour parti, ainsi qu'il vivait. Parti et ne fut pas tué. Quelle idée, les enfants! Un jour parti et ne revint pas. Là, c'est assez probable, cela de la vie errante. De moins en moins de bateaux, d'avions presque jamais, les routes et la voiture, et ranger les accessoires aussitôt après. Et de moins en moins bien payé. Et pas payé du tout, le plus souvent, plus jamais. Un centime. Au pourcentage sur la recette. La fameuse histoire.
lassée. Là, lassée donc de tout ça, probable. Ou séduit encore par quelque autre plus fringante, danseuse et chanteuse alerte. Est-ce que je sais? Jamais su. Pas d'amour assassin, non, pas d'histoire, rien du tout. Prévisible depuis le début, non? Je ne lui demandais rien, j'aimerais me concentrer. Mot absent de leur vocabulaire. Et vocabulaire, autre mot absent de leur vocabulaire, et ainsi de suite, il ne faut pas rêver. Le chef goguenard, donc, m'abandonnant les lieux, la maison est à vous-même. Maison, cette masse informe de la banlieue grise, locale majorette. Mais je vous préviens, qu'il dit maintenant pour achever son œuvre, avec une histoire pareille, il ne faut pas compter qu'il y ait beaucoup de monde, pas espérer grand-chose et recettes. Pourcentage sur la buvette, parce que buvette et tout, on ne vous l'avait pas dit. Pourcentage, il ne saurait être question, elle rêve la petite dame. Pas espérer grand-chose côté recettes et applaudissements non plus, sont longs et retors dans ce coin-ci, et peu enclins à l'enthousiasme. Mais applaudissements, cela ne nourrit pas, hein, hein. À espérer, non, pour la gloire et rien d'autre, ajoute-t-il goguenard chef et s'abandonne en silence, attendant derrière lui. Et encore pas sûr qu'il se dérange, sont méfiants et peu enclins à la badinerie. Et badinerie semble être votre absence d'histoire, non? Hein? Hein? Et moi, toujours la même chose. Une vieille chose que j'ai mise au point depuis pas mal de temps et qui me resserre très souvent, pas plus tard que ce soir, pas plus tard. Et moi, souriante, lente et désinvolte, la fille qui envie d'autre et se sortit toujours du marécage. Parce que marécage, c'est ici aussi. Riez ici aussi. On dit Montargis, Loiret, Montargis, le trou du cul de la fin du monde, mais ici aussi. Bon à savoir, et vérité pas toujours à dire, mais défoulante à faire entendre. Ici aussi,
Riez, riez, vous penserez plus tard. Ici aussi, oh là là, au point où nous en sommes. Ici aussi, marécage, et glauque, et trou à goguenard. C'est dit. Moi, souriante, donc, je ne le refais pas, tout le monde saisit à quoi je fais allusion. Ah, toujours ça d'enregistrer. Moi, souriante, lente et désinvolte, eh bien, nous verrons bien, mon brave. Une phrase que j'appris lorsque j'étais boniche chez les autres et que j'adaptais à mes besoins personnels. Et le manant s'en va. Et sa bande goguenarde sur ses talons, boire l'argent du tabouret et faire imitation sardonique de la princesse, comme ça qu'ils surnomment les poules qu'ils ne peuvent se payer. Mais ce que j'en dis, moi, mame, tient à nous abreuver de ses opinions passionnantes. Moi, ce que j'en dis, c'est que sur moi, sûr, il ne faudra pas compter. Et mes collègues, vous les avez vus, mes collègues ? Non plus. Le mot collègue. J'en ferai un poème, une fois, il faudra que je m'y attelle. Et mes collègues non plus, jamais ne viendront. Et les familles des collègues, vous les devinez, les familles des collègues ? De même. Toujours femmes et enfants, et en nombre les enfants et bas âge, les goguenards pères d'une nombreuse famille, à ça qu'ils se distinguent, seraient moins goguenards si célibataires. Et si nous qui aimons cette maison, et y travaillons, et eux, exonérés, fauteuils réservés, bon, banquois, n'exagérons rien, et ristourne à la buvette, parce que buvette et tout, on vous l'a dit, mais vous n'écoutez plus. Si nous, nous ne venons pas, et devait être la grande part des effectifs, si nous ne venons pas, il faut le savoir, qui viendra ? Hein ? Hein ? Et part en rigolant. Et princesse reste là. Mes deux acolytes avachis dans un coin attendant que je m'en débrouille. Et princesse reste là. À compter à grands pas la distance ridicule qui sépare le rideau du fond du tabouret à la face. Arpenteur triste. Arpentrice. Thank you.
Parfois. Et l'an dernier encore, je crois. Mais vous n'étiez pas là. L'an dernier, oui, parfois. Ils sont suffisamment nombreux et restent jusqu'à la fin. Je peux finir, terminer parfois. Parfois, m'interrompre. Mais m'est égal d'ici, on n'entend pas ou si peu et on ne voit pas. Et ce que je ne vois pas, ce que je dis toujours et ce que disait aussi mon mari, bon, appelons-le comme ça, mais bien égal aussi si cela peut simplifier la compréhension. Ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Parfois, m'interrompt ou voudrait bien écrire des choses, le mot des colibés, voilà, mais nullement représentatif de l'obscénité, car obscénité est rien d'autre, disons les choses comme elles sont et furent toujours. Et m'encourage, manière de dire, m'encourage à achever, à disparaître, déguerpir. Jette. Et cela, moi, je l'ai vu, et de mes propres yeux vu et ressenti. Parfois, jette fourchette et cuillère et bouteille de bière. Vide. Et chaussures aussi, on l'a vu. Dépareiller les chaussures, dépareiller. J'en pleurerai. N'aie pas l'air comme ça, me voir, on ne le croirait pas, mais j'en pleurerai. Mais toujours, je termine. Venu pour ça. Et rien ne m'en empêchera. Et les garçons, les types derrière, toujours été. Je ne leur pardonnerai pas l'abandon en route. Et probable encore que les suivants, si suivants il y a, ceux-là qui prendront leur place, agiront de même. Les garçons, évitant tant bien que mal les projectiles, lents et désinvoltes, jeux de massacre, les garçons dansent et chantent, entendent les noms d'oiseaux et sourient longuement sa manière à elle qu'ils imitent et utilisent dans les endroits les plus noirs. Et nous, les trois, et le tabouret, et robe sur le dos, et maquillage intensif sur le visage, là, à attendre, et regretter déjà les fourchettes et cuillères et bouteilles de bière des tribus les plus primitives, c'était le bon temps, là, à attendre, et pour rien, et argent perdu relatif à l'incendie du tabouret, et recette facile à partager à tiers égaux, et repas hypothétiques, et disputes diverses, et mélancolie encore, et ce n'est pas le moins. Et qui peut le moins? Et 21h20, et ne viendront plus. Et jouons quand même, faisons semblant tricheurs aux extrêmes. Et répétons une fois de plus, et là pour rien, sur qu'est-ce que cela fait, au point où nous en sommes. Et comme au ralenti, et racontons absence d'histoire, et mari, et amant, et les fuites des hommes, et mes petites anecdotes assez désopilantes, non? Sur les goguenards des villes anciennes. Et remplissons le temps. Faisons semblant d'exister et jouons quand même. J'en pleurerai. N'ai pas l'air comme ça, mais en pleurerai et en pleure parfois, mais discrètement, avec lenteur et désinvolture, pas plus tard qu'il y a 5 minutes, sans qu'on me voie. Pleure sous maquillage et déguisement et sans reniflement intempestif sur la pile. Et triche jusqu'aux limites de tricherie et sont fort lointaines ces limites-là et jamais ne les épuisent. Triche jusqu'aux limites de tricherie, l'œil fixé sur ce trou noir où je sais qu'il n'y a personne. Ne laisse pas mourir
Merci.